Pour le matériel, il vous faudra un vieux jean, une paire de ciseaux, une palette de peinture, un pinceau, des pots de peinture, un feu d'effaçage pour tissu, un tissu multicolore, des feuilles naturelles d'arbre, un pot patron, des épingles, des fils à sortie, des galons colorés et du thermocollant double face. Première étape, la découpe des motifs. Commencez par couper les tiges de vos feuilles pour ne garder que la feuille elle-même. Choisissez les endroits où vous souhaitez placer vos motifs en feuilles. Placez des épingles comme repère à ces différents endroits. Posez ensuite vos feuilles sur le tissu multicolore, placez-les en fonction des couleurs que vous souhaitez faire ressortir, puis découpez chaque partie. Découpez une poche en vous aidant des dimensions de la poche arrière du jean. À l'aide de votre feutre effaçable, tracez-en les contours. Découpez. Ajustez. Et épinglez. Découpez une pièce dans la toile thermocollant aux dimensions de votre motif. Épinglez votre motif sur la toile et une fois de plus, découpez en suivant le tracé. Reprenez ce geste avec tous vos motifs. Ensuite, repassez sur le côté lisse de votre toile pour coller les deux parties ensemble. À la seconde étape, nous allons piquer les galons colorés. Épinglez votre premier galon à 10 cm au-dessus du tourne-talon. Ajustez. Puis coupez. Faites de même avec le second galon que vous mettrez au-dessus du premier. Puis vous épinglerez le dernier galon en ce cas au-dessus de l'avant-dernier.
Lorsque vous avez fini d'épingler vos galons, faites une couture simple à l'aide d'une aiguille et des fils assortis pour maintenir les galons en place. Pour ceux et celles qui ont du mal à piquer avec une aiguille, vous pouvez tout aussi bien utiliser de la colle pour tissu afin de fixer vos différents galons. Avec du fil assorti, vous aurez toujours un très beau résultat, même en ratant quelques points. Nous allons passer à la couture sur la poche arrière. Faites quelques points pour maintenir le galon sur le dessus de la poche. Récupérez vos différents motifs mis de côté. Si vous avez du mal à décoller le film transparent du thermocollant, aidez-vous d'un objet pointu pour la séparation. Avec le fer bien chaud, nous allons appliquer notre motif à l'arrière de la poche. Collez chacun de vos motifs aux endroits prévus à cet effet. Nous passons à la dernière étape qui est la peinture et la finition. Prenez votre petit pot de peinture, plongez la pointe arrière de votre pinceau dans le pot de peinture. Avec la pointe de votre pinceau, faites de petits cercles irréguliers sur votre jean. Une fois la peinture bien sèche, placez-y des strass, des perles, la décoration de votre choix. Voilà qui est fait. À vous la belle balade dans un jean tendance customisé Esprit Automne Street Art. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et bien sûr, si vous voulez encore plus de vidéos do it yourself, abonnez-vous à la chaîne. On se dit à très bientôt.